few words about the solar impulse. The aircraft uses the sunlight charging batteries that supply the power to the four engines. The aircraft is designed in such a way that it could, given the right amount of sunlight, stay in the air indefinitely. During the day, the solar cells are used to charge up the batteries and also allow the engines to operate to gain altitude. And at night, when the sunlight disappears, where the sun disappears behind the horizon, below the horizon, the aircraft continues to fly both on the power of the engines and also on the ability of the enormous wing to glide, and it descends gently through the atmosphere until the sun rises once more the following day and allows the aircraft once more to recharge its batteries and climb. Bertrand Picard, who was with us in the commentary box for this morning's display, pointed out to us that the aircraft could stay in the air indefinitely, except that from time to time, from century to century, you need to bring it back to Earth and change the pilot, who's grown too old, and the need of a younger man to take his seat in the aircraft. En attendant donc d'avoir comme problème celui de la barbe blanche des pilotes devenue tellement longue qu'elle vient s'emmêler dans les commandes, dans les palonniers et le manche à balai, nous allons continuer cet après-midi à faire voler des machines volantes plus traditionnelles, pourtant le mot est un peu osé. Vous allez avoir droit à une espèce de coupe verticale de tout ce qui peut exister comme machine volante. Et à noter que le salon 2011, c'est le salon des électrons. C'est le premier salon où sont présents en aussi grand nombre des machines volantes à utiliser l'électricité pour se propulser à travers le ciel. Ce sont principalement des machines volantes légères, des avions de plaisance, des machines de sport, mais il faut bien que ça commence quelque part. C'était comme ça que ça avait commencé il y a un siècle. Il y a un siècle, les aviateurs étaient des sportsmen, des sportifs, souvent des gens qui venaient de la course automobile, la course motocycliste, voire de la course vélocipédiste. Et ces gens-là s'étaient fascinés pour l'aviation, car elle leur paraissait être porteuse d'un tas d'exploits, d'un tas de moments à haute adrénaline générés par cette discipline sportive. Si on leur montrait un Airbus 380, ils seraient bien surpris. Dans le ciel là-bas, la longue silhouette, on va en voir tout l'après-midi, et d'ailleurs ça vous permettra de mesurer le travail des pilotes. Vous voyez ce 777 d'Air France qui est en approche, c'est un 777-300, un Boeing 777-300, la version longue, qui est en descente donc sur une des pistes de Charles de Gaulle. Aujourd'hui, le vent, qui est un vent d'est, nous amène à utiliser ce sens d'atterrissage. Et donc, vous voyez qu'il n'est pas très loin, le 777. Et donc, entre lui et nous, il y a un mur invisible, un mur virtuel, le mur de Roissy, que les avions en présentation ici ne doivent évidemment pas traverser. Donc, ça va être, durant toute l'après-midi, pour ceux qui volent, ça va être un joli morceau de pilotage pour présenter à cet immense public, pour présenter de beaux avions. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur des beaux avions, il faut toujours des beaux pilotes ou des belles pilotes. Beautiful sunny afternoon here with the temperature rising, not too much wind out of the east. Little reminder, if you're spending the time outside looking up, watching the air displays, rehydrate yourselves. Be careful to put on some sunscreen and wear a hat. The temperature will rise during the afternoon and it would be easy to get dehydrated and even to get a sunstroke. So take care. Je vous rappelle que la météo a dit que cet après-midi, les températures montraient aux alentours de 32-33 degrés. Or ici, en plus, il y a quelques hectares de ciment, de béton. Les parkings du Bourget où sont exposés tous ces avions. Et tout ça dégage des bulles de chaleur, des bulles d'air chaud. Alors, par pitié, cet après-midi, si vous ne voulez pas vous sentir mal à un certain moment, mettez-vous une casquette, mettez-vous un bob, mettez-vous un chapeau. Surtout, laissez pas les enfants se balader tête nue, s'il vous plaît. Et surtout, réhydratez-vous et réhydratez-les.
Sur le goudron, la chaleur est bien plus importante qu'elle ne peut l'être dans l'herbe, par exemple. Il existe des tas de points où vous pouvez récupérer de l'eau si vous avez soif, mais n'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Cet après-midi, tenez-vous-en à l'eau et si possible à des boissons qui y ressemblent. C'est un conseil d'amis, il y a des points de secours, mais allez pas provoquer ce qui ne doit pas être provoqué. Et surtout, regardez les avions, prenez du plaisir, mais ne vous rendez pas malade. Donc, chapeau et eau. Et c'est parti. Le premier avion, la première machine volante de l'après-midi est un hélicoptère d'un nouveau genre, on va dire. On peut le voir là-bas, petit point rouge ceinturé d'une bande blanche, qui est en train de s'élever de l'autre côté de la piste 0321, la piste qui est devant. Il s'agit d'un drone. C'est une des nouvelles grandes disciplines de l'aviation. Les drones sont des machines volantes pilotées soit de l'extérieur, depuis le sol, pilotées à distance, il n'y a personne dedans, ce sont des engins inhabités, soit ce sont des machines qui peuvent être programmées, c'est-à-dire qu'avant même de décoller, on leur a mis dans une mémoire à l'intérieur, on leur a mis le profil de la mission qu'elles doivent effectuer. Ce drone est un hélicoptère léger autrichien, il s'appelle le Schiebelkammcopter. Et il est piloté pour nous depuis le sol par deux Marcus, Marcus Haberler et Marcus Winhofer. The first aircraft of the afternoon, the small red object you can see in the distance with a white band on its tail, is a pilotless drone. It's the S-100 Camcopter from Schiebel in Austria. The pilots have their feet firmly on the ground, Marcus Haberler and Marcus Winhofer. They're demonstrating this aircraft on the far side of the runway 0321, which is the runway parallel to the chalets in front of you. The aircraft is easy to see on the large screens around the air show. The cameras, the radar control cameras, keep the image centered. This camcopter has a high definition television camera fitted to it and can take pictures of the crowd, which will be displayed on the large screens from time to time, and you'll see the immense detail possible on these high definition pictures. Le camcopter pèse à vide 110 kg, en charge 200 kg, il peut voler jusqu'à 220 km/h, mais sa vitesse de croisière normale est de l'ordre de 100 km/h et il peut aller faire des missions jusqu'à 180 km de son point de départ. Il est équipé d'un petit moteur à piston rotatif, un moteur de type Wankel de 55 chevaux. Le camcopter est équipé aussi pour travailler, il est équipé de caméras. En particulier, celui-là possède une caméra à très haute définition qui permet de temps en temps sur les écrans qui parsèment l'aire d'exposition statique et entre autres le grand écran qui se trouve sous notre arc de triomphe airbusien marqué à 380. Donc vous pouvez avoir des images de vous-même telles que le camcopter vous filme de temps en temps en intercale en régie. The camcopter is powered by a single 55 horsepower Wankel Diamond engine. Its maximum speed is 120 knots, but it cruises at 55 knots, has a maximum endurance of 6 hours and can operate as far as 100 nautical miles from the base. It can either be controlled directly from the ground or pre-programmed, where waypoints and imaging requirements can be fed into the onboard computer and the aircraft operate autonomously away from its base. It needs no specially prepared area to launch and recover, and it can operate in day and night and under adverse weather conditions. Des camcopters ont été commandés en grande quantité puisque 200 commandes ont été enregistrées, une centaine ont été livrées et déjà le camcopter a été utilisé dans le passé, par exemple lors de la réunion des chefs d'État participant au G20 à Séoul en Corée du Sud en novembre dernier, en novembre 2010, où un camcopter était utilisé pour garantir la sécurité des réunions de travail. Donc c'est une machine qui est en service. 200 orders have been received from 10 different customers for the
Camcopter, and 100 have already been delivered. The Camcopter was used last year to provide security around the G20 meeting in Seoul. The Camcopter has also been tried and experimented with by the French DGA under a leasing contract operating by DGA personnel, where it flew more than 50 missions under various conditions, both day and night.